Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage pour une revue de détail, en fait une revue de gamme, puisque si la Hollande est l'autre pays du fromage, eh bien Master Club est l'autre marque de la chenille métallique. Ces derniers temps, on parle beaucoup de cette marque, puisqu'elle continue à être disponible chez les distributeurs, ce qui n'est pas le cas de l'autre marque Frioul Model, qui a fait le choix de ne plus distribuer via les magasins, mais de se concentrer sur son propre site de vente. Ce qui n'est, à mon avis, pas une bonne solution. Bien entendu, la marge est plus importante. Sauf que bien, on est beaucoup plus frileux à acheter des chenilles en métal qui sont quand même assez lourdes en Hongrie à cause des frais de port. Donc, on revient à Master Club qui est du coup disponible et qui est beaucoup plus plébiscité ces derniers temps que la marque historique Frioul. Dans les deux cas, et c'est le cas de Master Club, comme ça l'était avec Frioul, bien entendu, nous avons des chenilles métalliques à assembler. On profite de regarder un petit peu les dernières références qui sont arrivées, dont une qui va nous intéresser plus particulièrement pour jeter un petit coup d'œil sur ces chenilles, si vous ne connaissez pas encore ou que vous n'avez pas encore eu en main ce type, eh bien, de matériel de chenilles pour agrémenter vos maquettes de blindés, eh bien, c'est une vidéo qui vous est adressé, bien entendu. Alors, on regarde tout de suite les petites nouveautés hein, que nous avons reçues de notre distributeur Domino, puisque la plupart de la gamme, la majeure partie de la gamme, voire je pense presque toute la gamme, est disponible chez Domino, hein, domino.be, notre partenaire. Donc, vous y trouverez forcément chenilles à votre pied, enfin chenilles à votre char, bien entendu. Et vous voyez tout de suite que la référence qui va nous intéresser, eh bien, elle concerne une maquette qui est arrivée très très récemment sur le marché. Il s'agit bien entendu du FCM36 de chez ICM, qui avait des chenilles en vinyle, qui a toujours bien entendu dans la boîte des chenilles en vinyle, et c'est beaucoup moins bien détaillé que des chenilles métalliques. Donc on va regarder en détail, mais vous voyez, vous avez toutes sortes de chenilles pour eh bien toute la gamme de maquettes de blindés, que ce soit Deuxième Guerre mondiale ou moderne, actuellement disponible au 1/35e. On a le KV1, KV2, hein. On a des grands patins de chenilles, vous voyez. On a également du Panzerkampfwagen 5, le Panther, hein, ici, pour le D ou pour le F, Ausführung D, Ausführung F. On a aussi des petites chenilles pour le Panzer 3, Panzer 4, hein, entre 1941-1944, hein, le modèle entre mai et juin, hein, de printemps à l'automne. Non, je plaisante, mais là, on est sur le modèle entre 1941 et 1944, un modèle avec, vous verrez, des modèles ajourés. Voilà, je cherchais mes mots. On va tout de suite regarder ça en détail. Et puis, on a le Shiften. Le Shiften, on va regarder parce que le Shiften, il y a un petit plus dedans. Vous verrez. On commence donc par ouvrir la référence qui concerne le FCM36. C'était des chenilles qui étaient très attendues puisque, je vous l'ai dit, celles du kit ne sont pas trop au standard actuel, voire pas du tout. Hein. C'est du vinyle, c'est pas pratique. Et ça manque un petit peu de détails. Alors, voilà comment ça se présente, hein, les chenilles Master Club. Pour ceux qui connaissent déjà les chenilles métalliques, il n'y a pas vraiment de surprise. On a donc des petits maillons individuels. Alors, dans le cas du FCM36, c'est vraiment des petits maillons. On va essayer de zoomer un maximum dessus sans que, voilà. Voilà, donc des petits maillons de chenilles, vous voyez, qui disposent d'un axe qui est percé. L'accès très très petit. Hein. Donc ces chenilles à maillon individuel vont être eh bien, à assembler avec des petits axes. Alors chez Master Club, on fournit des petits axes en résine. Voilà, qui sont contenus dans ce petit sachet. C'est vraiment des tout petits axes. Alors, il y a un avantage et un inconvénient à ces axes en résine. L'avantage, c'est qu'on a la petite tête de boulon. Donc ça, ça finit très très bien la chenille. Eh bien, l'inconvénient, c'est la fragilité. Quand on va essayer de les insérer, eh bien, on va avoir des axes qui risquent de casser. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Le mieux étant de repercer, quoi qu'il arrive, avec un foret de taille adéquate, de diamètre adéquat, de repercer l'axe pour faciliter quand même l'insertion
de l'élément en résine, de l'axe en résine. Et sinon, eh bien, vous pouvez utiliser du fil métallique, du fil laiton. Je reviendrai là-dessus, vous verrez pourquoi. Donc ça, c'est ce qui concerne le FCM36. Donc globalement, toutes les références de chez Master Club se présentent plus ou moins comme ça. Alors je dis plus ou moins parce qu'il y a certaines références qui sont un petit peu différentes, alors qui en tout cas ont un élément supplémentaire. On va le voir avec les chenilles du Shiften. Hop, voilà, les chenilles du Shiften ici. Donc on nous donne sur la boîte, on nous donne, voilà, il y a 200 maillons, et puis on nous donne aussi le diamètre de l'axe, si vous voulez repercer, donc ça c'est pratique, 0,6 mm dans le cas présent, et ici c'était du 0,4 sur les chenilles de FCM36. On regarde le Shiften parce qu'il y a une petite particularité sur le Shiften, vous avez dû le voir sur le box art, c'était inscrit, donc on a toujours les maillons, donc là qui sont bien entendu beaucoup plus larges, on est sur le char moderne, beaucoup plus imposant, donc les chenilles sont beaucoup plus large. Vous voyez que c'est beaucoup mieux si je suis dans l'axe de la caméra. Il y aura quand même une petite préparation à faire. Pareil, on reviendra sur ce point. Et vous voyez que donc chaque chenille, comme dans la réalité en fait, il faut placer chaque chenille et insérer les petits axes toujours en résine chez, voilà, qui sont contenus dans ce sachet, toujours en résine chez Master Club. Et le petit plus, eh bien, c'est qu'on a ici des pads, donc la partie caoutchoutée du patin, qui est fournie en plastique souple, en vinyle en fait, et qui, dans le cas présent, affiche un niveau, vous voyez, d'usure très important. Donc c'est pas mal pour le réalisme. Vous allez venir insérer le petit pad après l'avoir détaché, le petit pad en vinyle, vous viendrez l'insérer comme ceci, pour représenter la partie caoutchoutée du patin, et le caoutchouc est usé. Alors, comme c'est noir, ça va pas être pratique, mais vous voyez que il y a un bel effet d'usure. Alors l'avantage d'avoir les pads séparés, c'est que vous pouvez assembler votre chenille, et vous pouvez la brunir, puisque c'est du métal. Et une fois que vous l'avez brunie, avec les différents produits, sachez que chez VMS, il y a un produit qui marche aussi également très très bien pour brunir, noircir les chenilles. Et une fois que vous avez fait ça, vos chenilles sont prêtes, elles sont terminées. Une fois que c'est bruni, il n'y a pas à reprendre en termes de peinture. Eh bien, vous venez insérer le petit pad en vinyle, qui en plus, déjà, il est déjà noir. Donc, il n'y a pas forcément à le peindre. Donc, c'est plutôt bien pensé de la part de Master Club. Pour les autres chenilles, eh bien, c'est toujours le même principe. Là, il n'y a pas de pad pour celle du KV. Vous avez toujours donc le nombre de patins, le nombre d'axes, et puis le diamètre pour repercer. Donc ça, c'est plutôt pratique de connaître le diamètre, parce que ça va vous permettre de choisir le diamètre du foret qui va vous permettre de repercer l'axe. Parce que des fois, il y a des petites... il peut y avoir des petits résidus de métal à l'intérieur de l'axe. Donc c'est bien de cliner l'axe. Et c'est bien également de refaire ça si vous voulez, si vous préférez utiliser des axes en laiton, en tige laiton. Vous avez en plus déjà le diamètre, donc vous savez que vous allez utiliser 0,6. Donc vous allez plutôt repercer en 0,7. Donc voilà pour cette présentation, une présentation un petit peu rapide. Vous me direz pourquoi il va aussi vite pour présenter ça, pourquoi il va, il a carburé. Eh bien, c'est tout simplement parce que là, on vous présente la chose, c'est très théorique, on vous dit, ça se fait bien, faut nous croire sur parole. Et maintenant, vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole, donc du coup, eh bien, Max, qui a une certaine habitude et une certaine agilité avec la chenille métallique, on pourrait dire qu'il est le spécialiste de la chenille métallique, eh bien, vous a concocté un petit tutoriel très complet, très bien détaillé, sur comment préparer et assembler les chenilles métalliques, que ce soit des chenilles Frioul ou encore des Master Club, comme je vous l'ai présenté ici. Donc le tuto, eh bien, il arrivera juste après cette petite présentation de gamme qui finalement sert surtout à introduire l'excellent tutoriel que vous propose Max Lemaire. Donc je ne vais pas squatter la caméra et le micro plus longtemps. Je vais vous laisser avec Max pour
ce petit tuto sur l'assemblage des chenilles métalliques. Vous allez voir, il vous a fait ça aux petits oignons, c'est très précis, une super image. Il parle, il présente tout ça de manière bien détaillée, de manière claire, précise. Du coup, les chenilles métalliques, leur assemblage, leur préparation n'aura plus de secret pour vous. Allez, je vous laisse, j'ai déjà trop parlé. Je vous embrasse, faites attention à vous, faites attention aux autres. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage et je vous laisse avec Max.